ses remèdes traditionnels. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée, Ezio. Vraiment désolée. Pourquoi? Ce n'était qu'une ruse, pour nous faire baisser notre garde. Peu après ton départ, ils ont lancé une autre attaque. Checco Orsi, il a la pomme. Quoi? Non! Où est-il? Nous l'avons suivi jusqu'ici. Mais ce bastardo s'est enfui dans les montagnes. Je vous laisse. Nos articles sont fabriqués dans les meilleures conditions. Ici, nous ne suivons pas la mode. Il ferait mieux disparaître. Suis tout de suite. Tu fais des... Le voilà. Oh non, n'y pense même pas. Le voilà. Arrêtez-le. Quel manque de distinction. À ta place, je vais la voir. Descends, que tu fais là. Qui peut descendre? Oui, c'est bien. Bravo, bravo. Tu t'arrêtes là. Mais il n'y a aucune chance. Non, tu ne passeras pas. Alors, tu as récupéré ta relique? Tout ce sang versé, ça en valait la peine. Un objet d'une si grande valeur. Crois-moi, tu ne le garderas pas longtemps. C'est ce que nous verrons. La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur. Requiescat in pace. Ezio, Dieu merci, tu es revenu à toi. Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé? Je l'ignore. C'est un de mes gardes qui t'a trouvé dans les collines. Près du cadavre de Checco Orsi. Ouais. Je me souviens. Attends. Il y avait quelqu'un d'autre. Il a pris la pomme. Qui? Il portait une bure noire, comme les moines. Et je crois... qu'il lui manquait un doigt. Oui, Caterina, je dois partir. Tout de suite. Bien sûr. Tiens, tu risques d'en avoir besoin. La carte dont parlait Niccolò, que ton époux... Ex-époux, mio caro.
Il s'était juré de retrouver la trace de toutes les autres pages du Codex. Tu récupéreras la pomme, mais tu n'arriveras pas au sanctuaire sans cette carte. Ezio, il y a une abbaye dans les marais près d'ici. J'y ai vu des moines vêtus de noir. Commence par là. Allez, retrouve la trace de ce maudit moine. Tu vas beaucoup me manquer, Caterina. Oh, ils disent tous ça. Venez, venez, ne soyez pas timides. Offre de récompense. Toute personne, sachant où se trouve... Ce n'est qu'un marchand véreux. Et priez de se manifester. Il a le droit de faire ça. Le voilà. Merde. Arrêtez-le. Une bonne fessée. Ne laissez pas s'enfuir. Il est en retard. Et elle est sûrement très belle. Qu'est-ce que tu attends? Merde! Merde! Dieu vous bénisse. Grazie. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un moine en bure noire, à qui il manque un doigt à une main. Eh bien, le frère Guido n'a que 9 orteils. À une main, dites-vous? C'est ça, oui. Il y aurait bien le frère Domenico. Le malheureux a perdu son bras gauche. Je vous le répète, c'est un doigt qui lui manque. Attendez un peu. Je me rappelle effectivement un moine qui portait une bure noire et qui n'avait que 9 doigts. Oui, oui, bien sûr. C'était lors d'une fête à l'abbaye de San Vincenzo. Oui, je connais cet endroit. Je vais me rendre là-bas. Grazie. Allez en paix. Je n'y manquerai pas. Bye!
Par tous les... Qu'est-ce qui vous prend? Hé, les braves! Des déchets dans ton genre! On s'en débarrasse! Offre de récompense! Toute personne sachant où se trouve le doigt volé de Santa Chiara et priée de se manifester! Pardonnez-moi, mon frère. Je me demandais si... Ah ! Maudit démon, c'est encore toi ! Va-t'en ! Ça ne va pas ? C'est toi qui as tué le frère Stefano ! Attention ! Le tueur de moines est de retour ! Pitié, je ne veux pas mourir. Je ne tue que les meurtriers. Et votre frère Stefano avait du sang sur les mains. Je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Maintenant, écoutez-moi. Je cherche un moine portant une bure noire à qui il manque un doigt. À qui il manque un doigt, dites-vous? Vous voulez parler du frère Savonarola? Savonarola? Qui est-ce? Vous le connaissez? Oui, il était l'un des nôtres, autrefois. Et maintenant? Eh bien, nous l'avons encouragé à prendre une retraite amplement méritée. J'ai bien peur que pour lui, les vacances soient terminées. Savez-vous où il se trouve? Attendez, Santo Spirito, à Florence? C'est là qu'il a étudié? Il a peut-être eu envie d'y retourner? Je vous remercie. Allez en paix, mon frère. Hé, hey Desmond, cette mémoire génétique est réparée. Tu devrais essayer de l'ouvrir. Piero avait ne serait-ce que le dixième du talent de son père, nous serions encore chez nous. Nous n'aurions jamais dû accueillir ce moine dans la cité. Regardez tout le malheur qu'il a causé. Je connais cet homme. Attendez un moment. Le voilà! Là-bas! Là-bas! Venez-le en verre! Et finissons-en! Oh! C'est vrai! Il est très malin! Je vous ai rien! Comment peuvent-ils tolérer la présence d'un tyran entre nos murs? Parfait!
J'ai récemment trouvé de nouveaux fournisseurs. Ils nous ont chassés. Et tout ce que nous possédions appartient désormais à l'église de San Marco. Tu vas rester planté là indéfiniment. J'y veillerai. Tu arrives vraiment à me voir là-dedans? Tu vois quelque chose là-dedans? Merde! Merde! On y voit bien avec un seau sur la tête? Tu es beaucoup trop lent. Merde! Merde! C'est un combat. Essaie au moins de faire illusion. Ça, c'est pas vrai. Je m'en vais. J'ai aussi de nombreux accessoires, y compris ceux dont vous n'avez pas l'utilité. Si seulement l'assassin revenait à Florence, il nous libérerait de cette tyrannie. L'assassin n'est qu'un mythe, une histoire qu'on raconte aux enfants. Non, mon père l'a vu il y a longtemps à San Gimignano. Oui, bien sûr, si tu le dis. Bonjour, Ezio. Tu as choisi le bon moment pour rentrer au pays. Alors c'est vrai ? Ce Savonarole a pris le contrôle de Florence? Oui. Et avec l'aide de cette maudite relique, à n'en pas douter. Dans ce cas, nous devons la récupérer. Ce sera sûrement plus difficile que tu ne crois. Comme c'est étonnant. Explique-moi la situation. Marchons un peu. Tout a commencé il y a quelques semaines. Cet homme, autrefois honni de tous, a soudainement fait l'objet d'un culte. Ah, la pomme. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelé, mais ses chefs, ceux qui ont de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés et tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Ezio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi, et c'est à nous, assassins, qu'il incombe de lui ouvrir les yeux. C'est bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres. Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence, et Florence continue de les lui renvoyer, le plus souvent en petits morceaux. Alors lui aussi sait que la pomme est ici. Voilà qui n'arrange pas nos affaires. Venez avec moi. Je le connais, lui. Bien, un assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu? Mis à part les chefs de la cité, les habitants ont toutes leurs facultés, c'est exact? Oui. Donc ils ne soutiennent pas Savonarola par choix, mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage.
En réduisant ses lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention, et je pourrai passer à l'acte. Très ingénieux. Je vais en parler à la Volpe et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi, tu libéreras les quartiers. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Besoin d'une saignée? J'ai des sens une toute fraîche. Et dire que nous avions foi en toi. Va-t'en! Fille la vie à Charogne! Nous sommes fiers que Dieu vous bénisse. Peuple de Florence, approchez, rassemblez-vous, écoutez ce que j'ai à vous dire. La fin du monde est proche. Plus que jamais, c'est le moment de vous repentir, d'implorer le pardon du Seigneur. Ne les voyez-vous pas? Les signes sont partout autour de nous. Révolte, famine, maladie, corruption, ce sont autant de mauvais présages qui annoncent le règne des ténèbres. Plus que jamais, nos cœurs doivent être remplis de dévotion où nous sommes promis à une mort certaine. Vous me prenez pour fou. Ah, mais n'est-ce pas exactement ce que les Romains pensaient du Christ? Autrefois, je partageais vos doutes. Je partageais toutes vos craintes. Puis un jour, Savonarola est venu à moi. Le prophète m'a guidé sur le chemin de la vérité. Quelqu'un m'ouvrait enfin les yeux. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous aider à ouvrir les vôtres. Vous devez comprendre. C'est un peu comme si nous nous aventurions au bord d'un précipice. D'un côté, il y a la lumière et la gloire du royaume de Dieu. Alors que de l'autre, il n'y a que le puits insondable du désespoir. Que comptez-vous faire? Aurez-vous la force de marcher dans le sillon du Seigneur? Ou bien plongerez-vous, tête baissée, dans l'abîme des ténèbres? Votre équilibre est déjà précaire. Les Medici et toute cette dynastie que vous considériez jadis comme vos maîtres ne s'intéressaient qu'au bien de ce monde. Ils ne cherchaient qu'à s'enrichir. Ils ont renié leur foi au profit des plaisirs terrestres. Et ils attendaient la même chose de vous! Notre sage prophète a dit un jour, nous ne devons rien à Platon, nous ne devons rien à Aristote. Leur héritage se limite à une argumentation. Abandonne! Je promets une mort rapide! On va la voir! Fais-moi confiance! Merde! Il est là! Allez-y! Ma parole! Tu penses tout ce que tu as dit? Nous n'avons pas tous été manipulés. J'avais déjà la foi. J'avais déjà mes convictions. Tout ce que j'ai dit est vrai. Rien n'est vrai. J'agirais autrement si je le pouvais. Le quiescat in pace.
qualité de nos finitions est reconnue dans le monde entier. C'est notre griffe. La place est en bas avec la populace. Oh, attention ! La messe publique que devait célébrer le cardinal a été annulée. Descends pas, tu vas prendre une flèche, Tronco. Descends tout de suite.